Comment allez-vous? Merci à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir de partager. Mais direct de mes bâillements, je ne serai pas longue. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à notre Opa, notre Woody, le number one. C'est lui qui a donné et qui continue de mener le combat pour les Ivoiriens. Opa, on t'adore. Opa, tu es le papa. Quand on dit on est un papa, là, on est un papa dans les faits et gestes. On est un papa dans les paroles. On est un papa dans comment, le pardon. Oui, moi, je parle de moi, moi, la guêpe. Oui, arrivé à un certain moment donné, tout ce que tu as dit là, on n'a pas cru à ça. On a cru que on avait un Américain. Vous connaissez, oh, mais c'est FMI. On a cru que il allait venir et puis il allait quelque part. C'est un changement. On a cru qu'on ne portait pas Boubou. Pas moi, mais je suis là, mais Boubou, là, même, je déteste. Je ne porte même plus Boubou. Affaire de Boubou, là, c'est fini. Il est dans le pays de Nyam Yamakoudi, Aladi Dormina. Papa n'a la peur de cerveau des Ivoiriens. J'ai dit, même stream, même mon pote, pas le pays est devenu porter parti. Papa, au parti, tu sais pas que le pays est devenu porter parti. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat. Un combat pour mener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Un combat pour réconcilier les vrais fistignes de notre pays. Je ne parle pas de ceux qui reçoivent des enveloppes la nuit et qui viennent le matin donner l'impression qu'ils sont là pour le peuple. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes qui sont réellement là pour mener le combat de la vérité, de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression. Oui, je parle de ces gens. Ces gens qui vont emmener la Côte d'Ivoire, qui vont réunir les fils dignes de notre pays, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Oui, c'est de ces gens que je parle. Je ne parle pas des personnes qui vont s'arrêter derrière la photo, devant la photo, pardon, parce qu'on doit leur donner quelque chose, et avant de leur donner quelque chose, on doit sortir pour insulter, manquer de respect aux personnes qui les ont fait. Moi, je le dis toujours, moi, la guêpe, je ne sais pas où je pars, mais je sais au moins d'où je viens. Ça, au moins, c'est une garantie. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, papa, opa, on a besoin de ta bénédiction. On a besoin de ton soutien. On a besoin, aujourd'hui, opa, que tu nous guides. Aujourd'hui, tu es une référence pour nous. Tu es une référence pour la Côte d'Ivoire. Tu es une référence pour cette génération. Et tu es aussi une référence pour les générations à venir. Pareil que le président, comment on appelle, Henri Konan Bédié. Moi, ce sont les, avec le président, paix à son âme, feu, Félix Houphouët Boigny. Les trois présidents de référence. Le président feu, Félix Houphouët Boigny, paix à son âme. Le président Laurent Gbagbo. Le président Henri Konan Bédié. Ce sont des personnes que moi, la guêpe, que nous, de cette génération-là, nous nous retrouvons en ces personnes. Parce que vous avez quelque part démontré par A plus B, pardon, que vous êtes là. Nous sommes vos enfants. Nous avons commis des erreurs, mais vous avez toujours été là pour nous accepter, pour nous mettre sur le droit chemin, pour nous montrer l'amour, pour nous montrer la cohésion, pour nous montrer la réconciliation. C'est de ça qu'il s'agit. On peut tout reprocher au président Laurent Gbagbo. On peut tout reprocher au président Henri Konan Bédié. On peut tout reprocher au président Feu Félix Houphouët Boigny. Mais on ne peut jamais dire que ces personnes n'ont pas été des personnes, à un certain moment donné, des démocrates. On ne peut pas le dire. Aujourd'hui, nous en avons marre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout ça. Nous voulons un changement. Nous voulons que les Ivoiriens puissent aller de l'avant. Nous voulons une Côte d'Ivoire réunie. Nous voulons une Côte d'Ivoire prospère. Nous voulons une Côte d'Ivoire où l'amour est démontré. Nous en avons marre qu'on puisse quelque part chercher à emprisonner, à tuer, à, comment on appelle, à rentrer dans les maisons des opposants. On ne peut pas être dans un pays et on va dire qu'il n'y a pas d'opposants. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons une Côte d'Ivoire réunie et nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. Merci. Merci pour tout au pas. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Nous te célébrons aujourd'hui. Nous te disons happy birthday. Eh, Opa, Opa lui parle bon anglais. Hein? Eh, Opa. Opa n'est pas comme dit Gagné Makouji. Hein? Opa,
Je vais te regarder droit dans les yeux, mon papa chéri. Mon papa chéri. Oui, c'est mon papa chéri. Opa, I'm going to say happy birthday to you from the bottom of my heart. Thank you so much for everything you've done for Abacus. Thank you for being there for us. Thank you for showing us the right path. Thank you for bringing democracy. We are so sorry about everything that happened in the past. We did not know. And you told us, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un, comment on appelle, d'un expert pour comprendre les paroles que tu as eu à donner. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi pour nous mettre dans le droit chemin. Pas forcément pour, voilà et tout, pour nous guider. Voilà, nous mettre dans le bon droit chemin. Déjà, même tu nous guides parce que tu nous as montré que peu importe la situation, nous devons rester, comment on appelle, accrochés à nos convictions. Nous devons rester accrochés à nos idéaux. Et c'est cette voie que moi, la guette, et je suis sûre que bien d'autres personnes essaient de suivre en ce moment et à cet instant T. Thank you so much for everything you've done for us. Happy birthday to you. Je vais chanter happy birthday to you. On va mettre happy birthday pour pas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Papa Laurent Gbagbo. Happy birthday to you. I wish you many years for you to come in the grace of God. Prosperity, health, long life, que Dieu te donne la santé, la longévité, le succès et puis la prospérité dans tout ce que tu es en train de faire. Loin des yeux, certes, mais toujours dans le cœur, notre pas. Sur ce, je vous clape plein de bisous. Nous sommes toujours à près de 1800 personnes connectées sur ce direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi, qui ont partagé, voilà, cette journée qui est très spéciale, voilà, pour un homme comme notre président Laurent Gbagbo. Et on va continuer à célébrer. Je le dis toujours que nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons des Burkinabés d'Abovi, nous avons des Burkinabés d'Assini. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous en avons marre. C'est ça qui est la vérité. Nous en avons marre. Nous voulons la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à tous. Excellente soirée à toutes et à tous sous la protection divine. Je vous claque plein de bisous et à très bientôt. Peace and love.